Bienvenue dans le monde de l'éclairage LED. Leader de l'éclairage, avec plus de 120 ans d'innovation, Philips est aujourd'hui le premier fabricant mondial d'éclairage LED. Nous offrons à nos clients professionnels des lampes LED éco-efficaces et respectueuses de l'environnement, sans aucun compromis sur la qualité et la performance. Aujourd'hui, grâce à l'éclairage LED, Philips améliore la vie de chacun. En raison de la nouvelle réglementation européenne EcoDesign DIM 2 qui entre en vigueur cette année, l'industrie de l'éclairage se trouve confrontée à de nouveaux enjeux. Qu'est-ce qu'implique la nouvelle réglementation EcoDesign DIM 2 et quelles sont les améliorations apportées à nos gammes pour répondre à cette nouvelle norme? La réglementation DIM 2 est mise en place pour augmenter la satisfaction des clients et pour encourager l'usage des lampes à économie d'énergie, en particulier les lampes LED. Elle permet aux consommateurs et utilisateurs finaux d'être parfaitement informés lors de leurs achats de lampes. EcoDesign DIM 2 permet d'harmoniser et de clarifier les informations produits communiquées par les fabricants. Elle permet également la mise en place de performances minimum pour les lampes LED. EcoDesign DIM 2, c'est aussi l'arrêt des lampes réflecteurs, énergivores, à incandescence. Philips profite de cette nouvelle réglementation pour offrir à ses clients encore plus d'innovation. Nous augmentons et nous harmonisons les performances de nos lampes LED pour répondre aux attentes de nos clients. Concrètement, qu'est-ce qu'implique la mise en place de performances minimum pour les lampes LED? Les lampes directionnelles, telles que les spots et les réflecteurs, doivent désormais avoir un flux lumineux minimum pour prétendre à une équivalence watt donnée. Après 6000 heures, 90% des lampes doivent toujours fonctionner et émettre au minimum 80% de leur flux lumineux initial. Après 1000 heures, 95% des lampes doivent fonctionner. La teinte de lumière doit être vive et naturelle. Les variations de couleur entre deux lampes ne doivent pas être perceptibles à l'œil humain. EcoDesign DIM 2 nous conduit à modifier nos packaging pour y indiquer les informations suivantes. La classe énergétique. À cette occasion, deux nouvelles classes ont été ajoutées pour les lampes LED, A+ et AW+. Cette nouvelle classification énergétique reste applicable aux lampes halogènes et fluocompactes. Le flux lumineux en lumens, la température de couleur en Kelvin, la durée de vie en heures, le nombre de cycles d'allumage et d'extinction, les dimensions de la lampe en millimètres, l'angle du faisceau en degrés, un avertissement que la lampe n'est pas adaptée à un éclairage d'accentuation lorsque le faisceau est supérieur à 90 degrés, la consommation en kilowattheure. EcoDesign DIM 2 stipule que certaines informations doivent aussi figurer sur la lampe. Le flux lumineux en lumens, la température de couleur en Kelvin, l'angle du faisceau en degrés. S'il y a de la place pour une seule valeur, c'est le flux lumineux qui est indiqué. S'il y a de la place pour deux valeurs, c'est le flux lumineux et la température de couleur qui sont indiqués. Philips a revu et amélioré l'ensemble de son offre lampe LED pour répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation. Afin de réduire au maximum l'impact de ces changements sur le marché, nous avons préservé l'identité visuelle et graphique de nos packaging. En innovation, Philips reste le leader de l'éclairage en offrant à nos clients et partenaires les solutions les plus efficaces en termes d'économie d'énergie et le meilleur choix de lampe LED. En tant que numéro 1 mondial de l'éclairage, nous avons tout en main pour améliorer la vie de chacun grâce à la lumière LED et pour soutenir encore davantage le développement durable.